Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 30 de notre série sur Ça. Baldur's Gate avec les gens qui ne sont toujours pas morts. Bonjour les gens Bah qui ne oui. sont toujours pas morts. Et Salut. bonsoir. Bonjour. Salut. Et j'ai respé Warlock parce que j'en avais ras-le-bol d'être une poule asthmatique qui mangeait des moules diabétiques. La Très plaie, spécifique quand même comme idée. Et c'est j'ai ce marqué que j'allais quoi. dire. Du coup, ce qui est bien, c'est que le stuff reste totalement valable, Faites l'armure demi-tour valable. sans attendre devant vous, la Super! malédiction des Ah, ombres s'étend et se l'attaque! propage! Oh Dieu, non! Ah, Même ceux qui l'attaque! portent des torches imbibées d'huile sont vulnérables, rebroussez chemin, partez! Il y a des trucs par terre là-bas. Ouais. Il y a un banc devant le banc. Quoi? Il y a un jet de survie là, c'est sûr. Il y a une très très jolie. C'est joli dans le coin! Ah, tu vois, c'est sûr qu'il y avait un jeu de survie à me dire quelque part. C'était sûr. J'ai trouvé un coffre. Allez, on rentre par derrière. Je suis deck. Il y a une porte qui Titre. peut pas Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il va par le. Et si on peut rentrer? Si on peut rentrer. Présentoir à gâteau d'argent, coffre rustique. Eh mais pourquoi je me. Oh, il y a des plateaux en argent. Et des verres en argent. Et un coffre Oh. opulent. Il est verrouillé! Et un candélabre. Il y a une cheminée. Oui, mais on peut pas l'allumer. Alors, c'est. Je vais rien. Ah non, ça va. C'est si mignon, on dirait qu'ils sont morts dans les bras l'un de l'autre. Enfin, presque dans les bras l'un de l'autre. Il y avait un coffre, t'as dit? Ah, mais en fait, c'est. Ouais, c'est un petit couple. Ils sont gentiment morts. Et ils sont gentiment mourus dans leur lit. Je les rejoins. Tout ce qu'il faut pour faire un voleur là. Une armure médium. Ah, il y a des. Il y a des rouges. Ouais, il y a des rouges. Non, c'est une armure légère que tu m'as envoyé là. Oui. Pardon. On prend les routes ou pas? Bah ouais. Il y a ah, des routes. Il ressemble à quoi? Ouais, Oh, c'est dans le vachement trou, plus beau. J'ai voulu sauter dans le trou, ça m'a. Ça t'a dit non? Et allez, laisse-moi. Non, je me suis dit que j'allais probablement me. Ah bah d'accord, ok, bon bah non. En fait, retour à l'envoyeur. On arrivait dans le souterrain avec les Ah! monstres féeriques. Tout ça pour ça. Monstres féeriques. Ah, le truc tout à l'heure? Ouais. Bon. Bah, On a fait le tour de cette zone-là aussi. retour au champ de bataille. Effectivement. Oui. Shadowhead Battlefield. Allez go! Non, pas par là. Ah, le cadavre de notre pote. Ça remonte à il y a tellement longtemps. C'est ça. Ah, y a un coffre. Je joue pas mon sort qui apparaît, ça me fait un peu chier. Je sais pas comment réanimer un cadavre. Tu l'as pas dans ta liste de sorts? Non, il est pas dans ma liste de sorts. Bizarre. C'est pas grave, j'ai repris un autre truc à la place. Il fallait faire 10. Ça fait combien? 31. Le Les mec, coffres, globalement, c'est plus vraiment un problème. Il a déverrouillé le coffre en même temps, il s'est fait une manucure. Oh, la taille de la baliste! C'est pas la taille qui compte. Ah ouais, mais là ça compte. Là. Quand la baliste effectivement. Est deux fois ta taille, je pense qu'au bout d'un moment ça compte. Effectivement, il y a un truc. Et du coup, on va par où? Bah, je sais pas, pas. Moi, je serais bien allé vers là où il y a la baliste.
justement. Il y en a des cassés, il y a des ponts, il y a des machins. Il se passe des... Ça ressemble à un gros champ de bataille, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, il y a même un trébuchet sur le côté, hein, si tu regardes. Qui est dans l'ombre. Une catapulte. Le nain, il va être content. Je sais pas. Oh, il y a quelqu'un qui a fait un jet. Ouais, il y a un coffre quelque part. Ah, t'as le chien truffié, quoi. C'est... Quelqu'un a acheté un jeu quelque part, qui ça? Non mais c'est... La truffe en l'air, qui? Qui c'est qui nous a fait un jet de survie là? Encore un. Mais c'est... j'ai déjà détaché le... j'ai déjà détaché bien sûr, le... déterré le coffre. Ah. Ah bah tiens, j'ai trouvé une clé par terre. Putain mais... Alors, une lumière, t'es littéralement passé à côté d'une clé. Ah ouais? Bah, je sais pas, pourquoi j'ai mis en survie. Dans un des squelettes et... là. Attends, mais moi aussi je viens lancer mon dé là, j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode. Pourquoi vous pouvez tous le lancer, moi pas? Je suis très déçu. J'ai l'impression de me faire pisser dessus sur ce coup là. On a repéré le oui, mais c'était pour fois. Oh, une lettre de reddition. Ah. Général Ketterik Thorm, c'est le cœur lourd que je dois vous annoncer la reddition des forces des ménestrels et de leurs alliés. Alors, à votre armée des tribuns de la nuit. Juste, là j'ai l'impression qu'on va vers une suite... Oh putain, y'a Roland qui se fait attaquer. Quoi? Au sud. Et c'est notre pote? Ouais, c'est notre pote. Ok. Il est où? Alors, Dash. Il a pris cher en plus. Pas de problème. Et pourquoi je le vois mort vivant perverti par les ombres? J'y suis déjà. Ah, parce qu'ils se font attaquer. Voilà, une ombre en moins. Il est déjà mort du coup en fait. Ah, ouais. Non, il a juste à. Parce qu'il a pas de lumière sur lui, je pense. T'es sûr? Parce que moi je vois mort. Il a une torche à la main. Bah, il a la. Regarde là. Moi je peux le taper, merde. Hein. Oh merde, non. Ouais, il est déjà contaminé, j'ai l'impression. Ouais. What? Ah merde. Ah, c'est con. Cool. Ah, bon, on va se sauver. Ah bah là, je pense que... Vu Atémir qui est prêt avec sa liste de buff. Il va le sauver, mais définitivement, je crois. Qu'est-ce que je fais, Tu peux pas taper la deuxième ombre au cas où? Mais c'est lui, la deuxième ombre, non? Non, il y en a une autre. Elle est où? Ah, j'ai pas le elle est où? Je sais pas, elle est pas visible, à mon avis. Bah, c'est pas que je peux pas, mais je peux pas. Bah, je peux m'arrêter là. Non, c'est une condition qu'il a, c'est pas une malédiction. Donc là, on est baisé, je pense pas qu'on puisse le soigner. Permanent. Ceux qui meurent dans l'ombre, ouais, il est mort. Il est marqué mort vivant quand même. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Bon, bah, je peux le retuer. C'était qui ce mec? C'est le gars dans le bosquet au début. Ouais, c'est pas le mage? Si, c'est le mage. Ah, c'est ça, le mec qui se vantait d'être le meilleur de tous. Bah voilà, il est mort. Ah bah là. Défonce-le. C'est pas notre pote alors, on sent pas les couilles de lui. Défonce-le. Oh. D'accord, adieu. Il est pas mort, mais je suis pas 6 PV toi. Quoi. Attendez, j'avais une autre action. C'est toi un deuxième shot. Par contre, j'ai encore une action, mais je sais pas où elle est. Tu passes ton tour. Pas le choix. Ah, mais elle était cachée. Ah, mais elle applique. Connasse. Avec un peu de bol. Non. Toi t'as pas l'œil qui voit tout. Bah si. L'œil qui voit tout ça marche pas sur Blink. Bon attends, on va essayer de mettre un shatter, peut-être que ça va le faire sortir de son truc. Non, Blink t'es dans une autre dimension. Ah il a Blink. Non il est juste invisible, j'ai rien dit. Bon j'essaie de lui shatteriser la tête. Attends. Si je prends ça, normalement lui voit tout. Non. Ah pas trop hein. Je vais pas faire bouger le chien parce que sinon il va se faire shutteriser la tête. Vas-y, chef, 3, 2, 1, partez. Ah, il est là. Bonjour. Ah bah je peux pas faire... Attends, y'a des projectiles magiques qui se préparent là. Finalement c'est... Ah zut, je l'ai fait bouger trop loin, tant pis. Oh. Bah ouais, mais il est éthéré, c'est pas ça qui Mais il a une résistance aux dégâts de feu, j'aurais dû lui mettre un missile magique, ouais. Shadow Plane, Sunlight... Ça résiste à plein de trucs ce machin, hein. Bah...
Vulnérabilité aux dégâts radiants. Ah oui, oui, pardon. Mille excuses. Aucun problème. Ouais, parce que j'ai pas voulu gâcher un spell de... Enfin, un slot de... Bref, vous m'avez compris. Oh, c'est chiant qu'il soit crevé l'autre là. Ah ouais, bah, c'est peut-être... Pourtant j'y couvre. Hein. Mais... Ah oui, mais moi j'ai... en gros quand on était en haut j'ai vu des dégâts sur le haut de mon écran, donc c'est pour ça que j'ai vu initiative, j'étais à... ah bon bah super. C'est pour ça que j'ai galopé comme un teuteux et je vous ai pas attendu, hein. Désolé mais... Il y a un petit passage secret pour aller... Oui, est-ce que je peux lui pick quiz dead? Ah ouais. Tour de haute lune. Mais sinon il y a il y a le poste de péage. J'aimerais bien passer par le poste de péage. Bah, en fait c'est juste là c'est vraiment la suite là où on est. Il y a des endroits qu'on n'a pas vérifié avant. Juste il y a moyen qu'on vérifie les trucs avant. Par exemple remonter plus au nord en direction de la guilde des maçons. Non justement ça. Il y a personne à fouiller Roland quoi. Pour aller. Ah je suis entendu parler moi. C'est aller là où je mets un point. Cette zone là qu'on a pas faite après, c'est on peut barrer effectivement vers la suite. Non, je suis pas vu où c'est et je l'ai mis sur la carte. Ah oui, ok, là-bas. Le point qui s'appelle Greg. C'est de l'élitide pour aller là-bas. Il y a une lettre pour Ardari. Tiens, pour Ardari. Et bordel, trop bien. To Baldur's Gate. To Leroacan. My destiny. Espèce de débile. Ah, il est branché, branché. Hein. Ouais, bah super, on voit ça, où ça va. Non. Family. No one. Bon, au moins, il manquera personne. Ouais. Bah, dans le bosquet, il avait un frère et une sœur, donc. C'est pas des potes. Ah, oui, mais c'était sa famille. Bon, on allait par où du coup? Il y a les... ça, quel truc, guilde des maçons là au-dessus? Et il y avait du loot, moi j'ai vu aussi du loot à un endroit. C'était où? Le truc de justiciaire, hein, c'était... Ah ouais, là. Ah quoi? Ah, ici, il y a quelque chose, je crois, des... T'as un 200k? Enfin, 200 gold. Ouais. Bah dégueu. Donc je suis en train de lire la lettre de reddition moi à la base. Ouais bah je t'ai envoyé des bouquins Arda, je sais pas si tu les as lus. Ils ont administré à lutter contre mal partout où ils viennent. C'est... Genre toi t'as dû en recevoir deux, genre une espèce de lettre et the dead of the Emerald Enclave. They lay here ever since their war against Catherick Thorne. T'as les ménestrels qui tentent de se rendre parce qu'ils se disent en fait on va finir par se taper dessus non-stop etc. C'est pas cool, tout le monde va venir, enfin bref, signé Kebel grand, au nom du grand conseil des ménestrels et de leurs alliés. Deux mots étaient rachetés d'une main rageuse en bas du parchemin. Reddition refusée. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il était avec Thor, j'aime trop ce perso, c'est... Le bruit. C'est le bourrin quoi. C'est ça, c'est... Non. Ouais, c'est vrai, je me suis dit exactement. Je peux pas aller où vous êtes les gars là. Comment ça? Bah c'est trop haut. Ah. Ah bon? Bah t'as pas mis ce système? Bah là au-dessus on a déjà été non? J'ai un spell slot pour ça mon gars. Je vais passer par ailleurs. History Fate, là où je suis. Attends, je vais aller voir. History Fate, là où t'es? Parti. Je me dépêche. Parce que là je vais pouvoir passer avec un jump. Attends, peut-être que si je... Normalement... c'est bon, il a réussi. C'est bon. Ça doit dater d'un siècle voire plus. Il y a un coffre lourd là-bas. Des flèches, parfait. Putain, c'est quoi religion et arcane? Je vais le prendre temporairement. Fallen members of the Emerald Enclave
casualties in the war against Kethric Thorn years past. Ça, ça avait pas l'air d'être une petite baston, quoi. Voilà, on a officiellement fini tout le début de la zone. Ah non, il y a le truc au niveau du... On fait quoi, on va au péage ou on va à la guilde des maçons, hein? Il y a un squelette là. La guilde des maçons, c'est bien, mais... Ah mais c'est vrai que ça, on y est pas allé. Ouais, j'y vais. Voilà. Il y en a deux des squelettes. Ça, mais sinon j'ai un bug, je peux plus ouvrir un sac, quoi. Ah voilà, c'est bon. J'ai dû le jeter de mon inventaire et le reprendre parce que c'est... Attendez. Hop. Ah attends, je sais pas. What's up? De toute façon, tu l'as en rituel maintenant. Ouais, ça, je peux le lancer autant que je veux. Ça sort déjà d'avant, mais... Vous voulez passer par quel... Par le péage. 100%, il y a un succès. Péage ? Ouais. Ok. J'aime pas ce nom. S'il va me prendre mon or, attends. Il ne te prendra ton or que s'il reste en vie. Ouais. Si t'as de l'or. Ouais, bah, moi je vais le mettre au camp. Hein. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais me prendre comme anneau ? Explosion de neige. Quand le porteur inflige des dégâts de froid, il crée également un cercle de glace de 4,5 mètres autour de la cible. C'est bien ça, c'est mieux qu'invisibilité floue. Vous êtes déjà parti ou pas encore? Non. Non, pas encore. Non, moi je m'occupais de redevenir un nécessiteux, j'ai pas envie qu'on me vole mon or. Je vais reprendre un slot. Ah bah, je peux pas prendre de. Oula! Ah oui, on voit vraiment rien de l'autre côté. Ah oui, c'est tu vois R quoi. Oula! Qu'est-ce qui se passe? On a gagné 280 points d'XP. A mon avis, c'est vraiment le gros point de passage vers la suite. T'es sûr que tu veux pas d'avoir fait la guilde des maçons? Mais ah bah, on peut, hein. Mais on peut remonter par là pour aller à la guilde des maçons d'ailleurs, remonter de ce côté là. Bon bah j'ai l'impression qu'il y a un TP un peu plus haut d'ailleurs, ça permettrait de l'avoir. En suivant la rivière. Ah il y a un squelette qui s'est fait empaler. Il y a un panneau avec marqué Ed. Comment? Un squelette qui s'est fait empaler là contre le mur. Violent. Ah oui. Pierre griffonné à la hâte. Ah y'a... C'est qui parle. Ah donc Kethric Thorn, il a donné l'assaut à cette ville alors, c'est ça? Du coup... Ah oh, tu auras les explications, t'inquiète. On doit retraverser ou... Ouais, je sais pas, on est pas allé par là. Spécialement. Il y a des trucs. Ah oui. Tiens, il y avait un piège. Ton perso il a même pas le temps de terminer la phrase disant il y a un piège, je se le prends. C'est... Il regarde sa chaussure ensanglantée. Attention, il y a des pointes là. Il y a une lettre pour Farda là. Il y a une quoi? Une lettre sur la table. Looks like an ambush. Ah. Looks like an ambush. Ah oui, effectivement. Je vois tous les meubles là, ils sont en embuscade. Bon tiens Kato, je t'envoie pas le truc tout à l'heure, j'espère que tu kiffes. C'est ma grande passion, merci, j'adore. Ouais, je t'ai envoyé un anneau qui te donne de l'armure. Quoi? Quand où c'est dans le noir. Ouais. Oula, attends, ils sont où les méchants là? Oui. Attendez, je vais voir un petit peu. Là, c'est vraiment le stuff pour du voleur quoi, là je suis En cas de visibilité nulle, machin. Non, mais c'est si jamais tu peux respect quoi. Ah, bon. Je peux pas jump là où vous êtes, malheureusement. De quoi là-haut là? Avançons un petit peu, peut-être que de là tu peux. Ah, et puis succès. C'est visible comme zone. Ah ouais? Alors. Ils sont combien les mobs? Ils sont 4 quand même. Je pourrais éventuellement. Attends, bah moi je suis dans la zone de perception, ils montent pas. Ils sont pas. Non, parce que s'ils sont en embuscade, donc comme dit, faut avancer. Alors on embuscade dans l'embuscation. Bon, moi j'attaque, c'est bon? On est d'accord? Ouais, vas-y. J'ai cliqué pour attaquer.
Ouais, ouais, je suis caché. Je vais là, je suis la nuit. Ah, bah, je suis la nuit, j'ai mis un coup et c'était fini, quoi. Tiens, bah, je suis la nuit, casse-toi. Passe pas ton tour, attends, parce que Katox il est encore en fufu, donc il peut les. Je me suis déplacé pour que tu puisses le taper aussi. Commence battle. Wow. Ah bah ça voilà. Ah bah voilà. Là on s'amuse. Ça commence à parler hein. 24 de dommages, c'est mieux là. Ça commence à être mieux. C'est une action en plus ça. C'est ouais, une action c'est un cantrip. Ouais bah ouais. Et quand tu les ex les mecs, ça devient encore plus zinzin le truc. Je peux passer mon tour là, c'est bon. Ouais. De toute façon ils sont surpris normalement. Ah on les a pas surpris du coup. Ah ils TP. Ah, cadeau. Oh le miss. Oh trop bien, il vient à moi. Oh il vient vers toi. C'est sympathique. Alors là t'as des potes. C'est quoi Garo là? 10 tours restants, 3 à 8 points à 18 points de dégâts. Ah, il faut que tu t'éloignes si tu veux pouvoir lancer des sorts. Oh. Moi le mien, je l'ai calmé. Si tu te mets vers Katox, normalement tu pourras de nouveau lancer des sorts. Je peux prendre des attaques d'opportunité si je fais ça. Ah. Le mien il fait dodo. Ah, t'avais mis du poison, tu crois? Oui, oui, j'ai mis du poison, ouais. Bien joué. Moi j'ai pas du tout pensé. Après, en action bonus, j'ai pas 36 trucs à faire, donc vu que là j'ai l'action sur du jeu qui a déjà été utilisé. Problème, c'est que alors, à 68 PV, il faut être motivé quand même. Pour le défenseur en un tour. Bah, c'est pas ce que t'as fait. Non, je l'ai pas tué. Bon, j'ai pas réussi. C'est juste lui, il s'est TP vers Arda. Ah oui, il était un tout neuf devant toi. Ouais. Ah mais si, mais je pourrais juste faire ça en fait. Allez, voilà. Ah oh, il a save l'enculé. Oh, vas-y c'est bon. Ça a que 12 de force là, d'où ça a résisté. Ah par contre ça a de la dex. Ah c'est moche hein. L'avantage c'est que ils sont aussi soumis au garrot. Oh non, il s'est réveillé l'enfoiré. Oh, dommage. J'ai dit dodo. Il a dit dodo. Ah mais il veut pas hein. T'as qu'est-ce qu'il fait? Il m'a le fait avant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Oh attends, tu peux. Katox, tu peux Quoi? Ouais, c'est triste. Intervenir sur celui qui me garrote. Normalement, si je fais ça. Non, tu peux te déplacer, t'auras pas d'attaque d'opportunité là, normalement. Arda. Ouais. T'es suffisamment loin. Et continue à te garrotter lui? Ouais, parce que c'est 5 mètres et tu dois être à 3 mètres là. Je peux pas vraiment bouger en fait à la place de Katox. Tu peux pas aller jusque là où il y a Katox? Sauter. Attends. Et là, dégage. Attends, bouge pas, je saute. Et par contre, bonne nouvelle, c'est, bon. C'est que j'ai gardé ça. Voilà. J'ai gardé ça. T'as vraiment gardé le fils. Ouais. Avec un peu de bol, on travaillera le. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit intelligent? Ignis.
hein, j'avais 75% de réussir. Ah bah ça, de toute façon, c'est toujours le problème. Ah bon bah, abus. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, mais je pourrais juste faire ça en fait. Voilà. Mais bon, j'ai plus garrotté là. Tu l'es fini ceux-là ouais. Bah, moi j'ai qu'une attaque donc je vais m'occuper du mien. Tu peux finir le tien. Ah, t'as qu'une seule attaque? Bah ouais. Les multi-attaques c'est level 5 de guerrier et tout machin. Et vu que je l'ai monté en fait en premier, bah j'ai qu'une attaque. Il y a 4 PV, il n'y a pas moyen de moyenner là. J'ai un peu la flemme de le finir avec ça. Que de réflexion, que de miroirie. Non, ah, il doit avoir une part de... tellement remplie de possibilités que je peux comprendre. Ouais, je t'avoue, il y a tellement de boutons que. Non, mais c'est plus que je voulais essayer de tirer sur le gars là-bas et. Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai des actions en plus du coup. Il y en a combien des actions? Oh, bah, il est... Ah bon? Bon bah, c'était pas prévu, mais c'est bon, il est mort. T'as eu ton vœu, hein? Ah putain, il. Ah bah, il. T'as loupé. Mais tu te fous de ma gueule! Non, mais c'est n'importe quoi, j'avais 80% de chance. Oh bah, salut! Super stylé ton. Ouais, en plus, j'en caste deux en fait. Oui, j'ai pas eu le dernier là. Mais ça fait un peu Magic Missile, je trouve. Ouais, un peu. C'est 1 des 10 de force plus 5. Par contre, il faut passer son tour hein, si vous avez fini. Regarde si je peux pas lui balancer un truc, mais visiblement je peux pas. Je peux pas lui balancer d'item offensif, c'est nul. J'ai trouvé une clé. Mais voilà. T'as ressuscité un machin? Quoi? Ah, j'ai la clé du coffre là-haut. Si ah bah, faut, si tu sais y aller, vas-y. Tu peux l'ouvrir du coup. Non, ouais, c'est bon, je l'ai ouvert. Y'a quoi dedans? Des notes, une idole de Séluné et des gants. Des gants un peu nus. Des torches de lumière. Journal intime, mais tain, c'est. Ils en mettent partout là. Ah bah, les gens sont très intimes, hein. De... Localiser un ennemi créant traître à l'absolu, nous avons tes abords d'un village, des bruits inquiétants résonnent à travers les ombres. Quelque chose nous poursuit, quelque chose qu'il nous faut semer à tout prix. Je m'apprête à dresser une barrière de lumière pour repousser les monstres maraudes et les ténèbres meurtrières. Puisse l'absolu me guider. Il y a un cadavre. À mon avis, c'est qu'il a pas réussi à. Il s'est pas fait guider beaucoup pour l'absolu, ouais. Attends, je... Ah, il a dit que c'était éveillé, il a pas dit que c'était guidé. C'est une troussoule. C'est une troussoule. Ah, donc la guilde des maçons, c'était effectivement. Il fait. On peut revenir sur nos pas. On a fait tout le tour. Bon, ouais, on se fait bah, à Westwind. Je pose des questions si jamais. Ah, ouais, bonne idée, c'est. Vérifie qu'il y a rien. Oh, t'es trop stylé quand t'es couvert de sang comme ça. Ouais, t'as vu, hein, franchement. par contre, je sais pas. Comment on est vous morte?
balade ici. Je lui demande comment il est mort. Spell. Continual flame. D'accord. D'où venez-vous? To water a deep pond. To rise cold. Quand vous êtes morte? Hein, vous voulez quoi? Bah moi je voudrais ouais. Sur comment on éteint les torches, ça pourrait peut-être servir à d'autres. Putain, c'est chaud quand même. Ouais, ça. D'accord. Je sais pas pourquoi on voudrait le. Le. Bah, je sais pas pourquoi on voudrait des destroy les torches, mais. Bah, en fait, je me dis, tu vois, si on tombe sur une. Sur un. Enfin, sachant que c'est un gars de la poule, c'est lui qui a fait ces torches-là. Ouais, d'accord. Sans doute que si on trouve un. Un autre. Oh, c'était pas ça, c'est plus si on trouve un autre campement, tu vois, à eux. Ouais, pour invoquer les monstres et que ce soit le bazar. Les monstres qui les butent, quoi, tu vois. Bah, tu vois, regarde. Oh, terrible. Ouais. Ah bah. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Alors, de l'XP. Bon, et celui-là il est mort, ok. Tape sur qui, Katox? Les deux là. Tu peux... Ouais. J'ai du mouvement pour y aller. Super. Merci. Ah bah voilà, ça c'est du travail d'équipe. J'ai pas assez de mouvement pour y aller, on va tirer dessus. On était pas loin de faire encore un combat où Arda avait même pas le temps de lancer un sort. Pourquoi? C'est presque. Mais c'est parce que t'as tellement pas d'initiative, Arda, c'est fou. Quoi. On me le dit souvent. Oh là là, non. Oh, le fond de son corps là, il est. Oh, la veuse faiblesse quoi. Bah, tu parles où l'autre là? Par là, je pense. Ouais, Kunaoe, tu devrais l'avoir. Non, parce qu'il a. Il est... Ah, ouais, oui, ok. Le problème, c'est que. Bah, j'ai si pas... Ah, je sais, j'ai pas. Peut-être une idée. Bah, entre là et là. Et ça fait pas d'Ao, Ray of Frost? Si, parce que j'ai une. J'ai un anneau qui normalement me permet de faire une surface de glace sur 4 et quelques mètres, mais. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'est que quand je fais des dégâts, c'est ça? Quand tu touches l'adversaire, je pense, ouais. Des dégâts, il fallait que je fasse des dégâts. Ah bah c'est... Voilà, c'est raté. Let's go. J'ai 80% de chance de le toucher, le truc, je le rate. Tiens, il est là. Eh, hey, j'étais pas loin quand même. C'est vrai. Bah je peux pas le taper moi, j'ai bouffé là. Je préfère le Warlock, il y a un côté très satisfaisant. Jouissif. Ouais. Surtout le sort lui-même quoi, c'est genre... C'est... Mac. Genre, tu vas lui mettre un coup de bâton. Et qu'il a fait un critique sur un chien quoi. C'est vide. Ouais mais voilà. Ça fait de l'XP. Ils m'ont fait 20 points de dégâts. Donc, les petits salauds, il y en a plus de repos court. Note pour plus tard, c'était utile de demander comment on faisait pour qu'il n'y ait plus de lumière. Ah oui, pas d'XP. Exactement. Bonus d'XP. Bon ben retournons dans la ville, en fait on peut se TP directement, pourquoi je me casse le cul à marcher. Voilà. On se demande hein. Où est-ce qu'on va? La kill des maçons, t'avais dit qu'en bas c'était. Bah, je sais pas, moi je vois poste de péage, ça a l'air d'être un sacré machin alors. Le poste de péage, j'aimerais bien qu'on y aille en ayant nos PV et nos sorts. C'est une bonne idée. Il y a un siège. Et tout à la porte.
Je vais peut-être me prendre une petite popo avant de... Un four, attends, bah, plusieurs sculptures... On se la met par terre, là. On se la met par terre. On se la met, quoi. Ah pareil, des... niveau potion de soin, je suis pas trop joyeux, je sais pas pour vous, mais... Tu fais le truc des potions de soin, Arda? J'arrive, deux secondes. Ouh, c'est du... Ah putain, mais pourquoi? Je peux pas faire un clic droit ici. C'est un bon... J'en ai 8. Enfin, il me reste 2. Ah bon? C'est du bon empalement. Mais non! Non, il y en a 15, C'est la mienne que j'ai cassée, Arda. La tienne, elle est comme il a eu trop peur. Tu veux que je te les prenne et que je te les donne? J'arrive pas à les saisir au sol là. Ah voilà, c'est bon. Je te les donne. Alors, what? Tu les as récupérés ou je les ai... Je les ai récupérés. Ah d'accord, j'ai eu très peur parce que je les voyais pas dans mon inventaire, donc j'étais à... Mais pourquoi j'ai fait un perception raté ici? On peut pas faire ça là, c'est nul. C'était quoi, c'était perception que t'as loupé? Ouais, ici en passant entre les deux. Ah, ils sont fait très très empalés quand même les squelettes, hein. Ah, moi, moi c'est la deuxième partie de cette zone, c'est juste là où on de est. De forme et de provenance variées, ok. Bon, il y a un tas d'os bizarres. Et qu'est-ce qu'on était censé trouver ici déjà? Je sais pas, moi j'ai trouvé un squelette sur le toit. Oh, il y avait tellement de trucs! Tiens, regarde. Ah, mais une trappe ici dans le fond. Je sais pas ce que c'est le fond, mais moi je suis derrière la le bâtiment si j'avais. J'ai trouvé un fer infernal. Ah, ça c'est bien, on pourra le vendre. Ça se vend ça ou j'en ai plein? Ouais, ça se vend. Bah là, dans notre dans cette run là, on peut les vendre, je pense. Il y a des bouquins. Il y a un bouquin pour faire. J'ai trouvé un truc qui s'appelle le marteau de Lump. Je suppose que ça va être utile à quelque chose. Le marteau de Lump. De Lump. T'es dans le sous-sol là? Ouais. Trouver un mont de charge. C'est quand même vachement con pour des tailleurs de pierre de stocker tous leurs trucs dans un sous-sol. Étonnant que ça doit peser lourd. Je pense que vous êtes. J'ai fait un perception raté ici. Non, je remonte et j'arrive. La trappe elle est sur ma position, quand je te la pique. J'ai enfin réussi à passer la tête derrière la statue. Quoi. Merci. Et bien. Ça sent le mur qui se casse ici, hein. Ouais. Eh merde. Je vais vous laisser le casser. Mais non, parce que faut que tu viennes, parce qu'on a fait les perceptions ratées. Attends, je vais te guidance. Parce que toi, tu vas... Attends, arrête de bouger. Bah oui, j'ai reculé pour être sûr de pas me faire baiser. Sinon, j'ai sauvegardé juste avant. Si c'est le scum, et que ça devrait. Ouais, je peux essayer de mettre un... Ah bah je l'avais trouvé, je sais même plus où je l'avais trouvé celle-là. Genre super loin. Est-ce qu'elle est là, note du maçon? Ouais. Toutes mes félicitations pour avoir trouvé cet endroit, canaille, mais vous n'irez pas plus loin. Il va y avoir un coffre là si jamais. Réenforcé. Y a pas un piège? Oh si, ça sent le piège. Hein. Mais bon, on va le désarmer. Moi, dedans un parchemin où il est inscrit ha 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 je vous ai bien niqué. C'est signé Zangdar. Il y a un lingot d'argent et des pièces d'or. Bon bah. Oula mais c'est une vraie zone. Ah c'est énorme ce truc. Ah attends, il y a un ennemi quelque part, je vois une grosse zone rouge. Je sais pas d'où elle vient. Y'a pas par contre. Moyen d'aller de l'autre côté avant?
Il n'y avait pas d'autre côté? Non, il n'y a que ce côté. Ouais, non, mais j'ai vu l'intercepteur. Quand on est arrivé, là, il y a une. Bref, c'est pas grave. On se split ou. Oui, il faut que je sois en hauteur. Vas-y, bah, je vais avec Katos. Il est là, le méchant. Je le vois pas. Ah, à mon peine. Et là. Ah, des ombres et à mon peine. Il y en a deux. Ok. Et il y en a là où je suis aussi, il y en a là. Et si tu fais un petit clic droit examiner, ça dit quoi? Ah ouais, ombre 24. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est 13 de classe d'armure. C'est résistant aux dommages, globalement aux dommages physiques, c'est résistant. C'est résistant. C'est très résistant à l'acide, c'est très résistant au tonnerre, c'est très résistant au feu, c'est très résistant à l'éclair. C'est vulnérable. En gros, c'est résisté à tout sauf les dégâts radiants. Voilà, c'est ça. Bon, globalement, tapez les. Il y a un diagramme là où je suis qui pour toi. Dégâts psy, dégâts psy, ça passe aussi. J'ai fait un. Est-ce que je lance le combat? Un jet de perception, bah écoute, on vas-y, peut. Vas-y. Oh là, ils sont pas mal. Vous êtes tous en combat ou pas? Non, moi, pas moi, je suis encore caché. Katox et moi, deux. Bah, je vais aller me faire le gars au milieu là. Ah, tu veux faire lui? Bah, moi je vais aller galoper par là, vu que j'ai. Je vais terminer celui qui est devant moi. Alors, c'est où quand tu vas être près de lui, tu vas le terminer, je crois, non? Oui, je peux le buter là. Ah, ou attends, il y en a un plus bas là, ici là. Ouais, en galopant, en théorie, tu vas l'avoir. Ok, bah vas-y, je fais celui qui est à côté de moi là. Ah, ou pas. Ah, bah. Ah, mais c'est parce que tu l'as attaqué. Ouais, je lui ai fait les seuls dégâts que je pouvais lui faire. Ah, quoique, je peux peut-être lui faire du nécrotique. Non. Allez. Il est parti où l'autre? Bah, il doit être invisible. Oh, bah, à tous les coups, il va atterrir à côté de moi. Hein. C'est là, il était par là tout à l'heure. Ah merde, bon, tant pis, perdu. Je suis parti dans le mauvais sens. Y'en a un là. Mmh. Ouais. Bon, il y est plus. Ouais, mais il va arriver par là, je pense. Celui qui est à côté de moi, il est stun. Je sais pas s'il est. Ça, toi, être joueur. Non, lui, il est pas. Pas vulnérable au dégât radio. Oh, oui, vas-y, un mec. Ouais, le gros là qui est devant toi, il est pas. Et bon, sachant que je vais arriver, je pense que je vais peut-être pouvoir défoncer celui d'à côté. Faut que je prenne un point de vue surélevé. Putain, la colonne elle est pas du tout dans le bon. Je le vois pas. Bon, ok, on va le faire à l'ancienne. Ah, bah non, ils sont résistants à des dégâts nécrotiques. Ouais. Ah ouais? Non, ils sont pas résistants. Ah, si. Ah, ils sont immunes. Bon, si je me mets là, est-ce que je vois quelqu'un? Putain, je vois personne. Mets-toi là où il y a. Non, il y a plein de poteaux partout. Là, c'est mieux, non? Chemin interrompu. Ah ouais? C'est vrai que ce petit muret. Je suis bloqué. Attends, à mon avis, le truc en pointe, il est considéré comme un gros bloc, tu vois. Mmh. Ah, ça c'est dommage, toi. Ah, c'est con. Il est venu se suicider. Oui. Ah, il est pas mort. Attrape. Ah, paf, hein. Coup critique, tranquille. Ah, il est où le dernier? Dans ton. Bah non. Dos, dans ton dos. Tu peux te déplacer encore ou pas, Munir? Non, là j'utilise tout le déplacement possible. Je viens d'avoir une idée. Merci beaucoup. On sait jamais. Peut-être qu'il aurait pu être là. Mais est-ce qu'il me fait beaucoup rire? Ah non, athlétique c'est. Non, c'est.
athlétique, c'est de la force ou un truc. J'ai 21 en force, donc j'ai plus 7 au jet de sauvegarde et t'arrives quand même à me pousser. Ah ouais, moi j'ai plus 1 en force, hein. C'est vrai, fou, Ah oui, non, mais c'est pour ça, je ne comprends pas. Faut que tu passes ton temps par contre. Je sens qu'il y a encore un mur à faire coulisser là-bas. Ouais, là, il y a moyen de faire des dégâts. Ah oui, viens, mec. Oh non! Oh, t'inquiète pas, ça. Ah non. Il est resté pile à la distance. Autour de ton truc là. Ah, je vais aller par là, je vais essayer de voir si je le chope. Mais... C'est vrai que voir les invisibles, c'est pas mal, hein. Attends, je te pousse. Ok. Bah, j'ai pas réussi. On a une idée de par où il était ? Là. C'est par là. Ah bah ouais, coucou. Ça dégage. Putain, la strat était quand même marrante, hein, de courir comme un teuteux dans tous les sens pour arriver les spots. Ah bah ça. You didn't even care who won, so long as it ended. You sense this one ahead with the happy, faded memory. Il y a plein de pare-chaud, lisez les. A woman walking along a beach, holding hands with her husband today. Ah, je veux bien fouiller Aiden. J'arrive. Parce que là, c'est 21 pour désarmer le piège. Donc, ah non, ma sœur, là. J'arrive. A distant memory. A man stretching his back with a groan. Another day of hauling masonry blocks done. Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Months from now, a face will take shape. 24. Ah, tu peux le. Ça te fait pas la gueule quand tu loupes ton. Non. Allez hop, fais automatique. Tu dis qu'il y a des parchemins quelque part ? Ouais, j'ai récupéré un pare-chaud de nuages nauséabonds. Tiens, paf. Cool. Je sais pas si ça t'intéresse. Ah, Mulmire, c'est peut-être intéressant pour toi. Non, t'as un casque de fou, toi, Mulmire. Ouais, il est bien mon casque. Ouais, c'est pour le Katox, ça. Arda, tu peux le mettre. Ça coupe court à. La résistance cellulite a fait. Ils ont fait appel au diable. Ben tu vois, le diable Raphaël, à mon avis. Si tu lis le journal des maçons qui est de l'autre côté, tu vois qu'ils ont fait appel à quelqu'un qui n'était pas réellement un homme, mais il leur a apporté de l'aide. Ça peut être ça. Ah ouais, mais. Bon, bah, j'ai récupéré plein de trucs. Ouais, je dis rien pour la suite. Ouais, c'est peut-être Raphaël, effectivement. Ouais, je sais plus. Oh. Putain, c'est dingue. Vas-y. On continue ? Yep. Eh oui, oui. Moi je lisais un peu, je trouve que c'est. Autant le début de la zone j'étais pas fan, autant le passage dans la ville là ici. Ah, il est génial. Et dès que tu cliques sur les âmes en peine, t'as toujours une petite phrase et tout. Ça plus, peut être. Un certain c'est. Poil. Ah, mais t'es là, alors le souvenir d'un très bon souvenir d'une fille, d'une femme marchant avec, au bras de son futur mari. Ouais, c'est. Plein de potions, c'est un truc de dingue. Il y en a un où c'est, je sais plus, la femme qui dit qu'elle est extrêmement excitée parce qu'elle a elle a, comment dire, la nausée ou je sais pas quoi, elle va devenir mère dans quelques mois, et là, tu fais, ah bah d'accord, let's go. Mais comment c'est tourné, ça te... Ouais, les phrases sont vraiment bien. La joie de la personne, et t'es là, tu fais, bah... Et tu vois la fin, quoi, et toi t'es là genre, toi tu sais. Ouais. C'est pour ça, enfin, le storytelling dans ce jeu, moi, il faut. Voilà. Un souvenir heureux, mais presque impalpable, vous vient, celui d'une femme marchant le long d'une plage en tenant la main de son futur mari. Ouais, mais tous, hein. Avant les ombres, la vie de cette âme comptait jadis une maison chaleureuse où résonnaient les rires des enfants. Mais plus maintenant.
was insensible when the shadows came for him. Voilà. Bon bah, c'est sympa. Franchement, pour une guilde de maçons, ils se mettent bien, les gars. Mais tous les journaux, tu les as lus ou pas, hein, un petit peu? Parce que c'est pareil, genre les histoires par rapport à toute la ville, elle est super intéressante. J'ai pas eu le temps de tout lire, parce que sinon... Ouais. Bon, j'utilise de mon charge, je sais pas où j'arrive. Bah, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai continué la route solo. Attends, il y a un truc qui... Vous avez vu des pop? Attends, il y a un enfant là, Arabella. Si, vie. J'ai pris le monde de charge aussi. Prends le monde de charge par ici. Ouais, j'ai pris le monde de charge. Bah attends, mais j'ai pris le monde de charge, mais je suis pas allé là où t'étais. Tu peux pas atteindre le monde de charge. Ah, mais si. Hein. Ah ouais? Hein? Ouais. Ah, si, voilà. Ah, parce que. Attends, il est pas là, Arda. Ah, j'arrive. Il y a un truc qui se passe. Hey, I know you. You're... Ah, mais c'est pas le cas de tout à l'heure. Non, c'est la. Ah, Arabella, c'est la fille qu'on a sauvée des serpents. Hmm. What? C'est... Elle est chambée, celle-là. Arabella from the Druid's Grove, the thief Corga tried to punish. Sorry, it knocks the wind right out of me. That Druid idol I took? It changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. Elle est devenue druide du random. Ouais, mais genre druide overpété quoi. C'est pas mal. Mom and Pops, I mean. When Zevlor... When he... Well... There was an ambush. Mom yelled run, so we ran. I could hear him run behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know. C'est quoi ses yeux là? Ouais, elle s'est mise à clignoter des yeux aussi, oui, d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais, moi perso, j'ai les angles de caméra chelou là, je vois les pieds. Pareil. I knew you'd help me again. Ah, nous là, on a la version diabolique. I don't suppose I can stay with you. Là, moi j'ai un zoom sur le dos de. I won't be any trouble, I swear it. Là, j'ai le sol là. C'est fort le sol. Là. You're the best. So you send mom and pop there. I'll be waiting. C'est incroyable. Je suis ravi de voir ça dans la conversation, mais ah bah oui, surtout que le cul de catox, ça fait toujours plaisir à regarder. Eh ouais. Bon ben bah, on les défonce XP gratos. On peut les bully. Ah ouais, c'est XP. Que t'es nul. Et là, ben, je lui ai mis un coup d'épée, mais... C'est moi ou tu viens de dire YOLO? Non. Moi j'ai entendu YOLO. Et alors, c'est ton spell. C'est un peu... Il y avait une porte verrouillée au-dessus. Ah, c'est celui-là, pardon. Celui-là, il est pas mal. Oh. Eh, c'est quoi, ça fout les poils à chaque fois, hein, c'est... Ah, c'est... Oh, je vais remettre... Stylé, cet anneau. Tiens, Arda, c'est pour toi, il y a un... Maison de la guerre. Ah, ben, il y a un gars qui est Locke là, qui est tombé et qui est mort. Dans la maison. Ah,
Alors, ça, ce passage-là du jeu me retourne le cerveau. Vraiment, il est... C'est-à-dire... Mais attendez, mais vous allez où? Il y a un truc, là. Ben, il y a un vendeur. Bon, tu veux faire la crêpe? Bah, je sais pas... Bon, moi, je fais la crêpe. Il y a un coffre. On peut tenter de terminer le... Il y a un bouquin, sur. Ah, parce que là où on allait, c'est une zone assez costaud quand même. Ah. Oh, ouais. ça. Tiens, Ardas, pour toi. Potes, Mais ce sort-là, je vois pas trop l'utilité perso, mais... Il y a un bouquin, là, c'est pour Ardas aussi. Pierre Tombal. Vous me les envoyez ou... Mais c'est fait, moi je t'envoie tout, moi. Ah, moi je suis dans le partage, moi dès que je ramasse, paf, ça part. moi j'aime loot, mais c'est pas forcément pour moi, j'aime juste ramasser l'objet après, bon. Après, qu'est-ce que j'en fais, bon. Oui, c'est ça, je sais pas ce que j'en mange, mais une chose est sûre, j'aime aller cliquer. Des moyens d'aller par là, là. Je sais pas où. Ah, mais on revient sur le point. N'hésite pas à récupérer ce que je tiens, hein, les fringues qui valent 11 PO, oh. Mais qui pèsent que 1. Ah, mais moi je ramasse tout. Ouais, mais ici on va encore avoir 30 000. Moi j'allume les torches. J'allume les torches. Même par ici on a 30 000 trucs et on retrouve Raphaël, tiens. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ça fait 56 minutes là. Ah bah, je crois qu'on va se mettre devant la maison de la guérison, puis on va aller par là, non? Non? Ou non, je sais pas. Vous êtes caché, là j'ai retrouvé Katox. Bah on remonte par là. Moi je loupe. Oh là, il y a tout bleu par terre. Et là il y a un sarcophage que personne n'a ouvert. C'est pour ça que personne n'avait ouvert. On a une porte ici aussi. Il y a trop de possibilités. Ouais, mais c'est toujours la maison, c'est toujours la même baraque. Ah. Tu vois, tout le bâtiment là, c'est la même structure. Ah, d'accord. Ouais, il y a un TP au-dessus. Vous voulez pas aller prendre le TP comme ça, on s'arrête là? Ouais, allez. Mais comme ça, il y a des gens qui parlent. On peut pas les tuer. Ah, ou on y va comme ça, si c'est un vendeur, on peut en parler. Ah, mais c'est Raphaël. Raphaël, c'est pas censé être le démon là, ou je sais pas quoi là. Si. Mm-hmm. Ah bon, bah tant pis. T'as par contre le nombre de cadavres qu'il y a là, c'est chaud. Ah, c'est un charnier, hein, toute la zone. Ah ouais, c'est pas pour déconner. C'est Raphaël qui les a butés. Je pense pas, je pensais que c'est Rick. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pleins dans la maison là. On se stoppe, ici, du coup. Allez. Et on avisera la prochaine fois. Yes. Exactement. Allez. On fait des bisous à tout le monde. Yes, à la prochaine. Bisous. Et bisous tout le monde. Hop.